La Réunion, des descendants d'engagés originaires pour une grande part du pays tamoul, au sud de l'Inde, perpétuent une cérémonie en l'honneur de la déesse Pandyalé. Cette fille d'Agni, le dieu du feu, prouva sa virginité en marchant dans un brasier. Le dieu Agni l'aurait prise dans ses bras pour la sauver des flammes. Les Réunionnais qui reproduisent ce sacrifice traversent un tapis de braise dans l'espoir d'obtenir la guérison d'un enfant ou d'un proche. L'absence de brûlure, preuve de pureté, impose 18 jours d'ascèse basés sur une alimentation végétarienne, le respect des règles de purification et d'abstinence sexuelle. Les 18 jours que dure la fête de Pandyalé font référence au Mahabharata, la plus grande épopée hindoue connue depuis 2 millénaires. Ce récit retrace la guerre de succession qui opposa 2 clans royaux, les Kaurava et leurs cousins, les Pandava. L'aîné des Kaurava était l'incarnation de la redoutable déesse Kali. Il attaquait sans cesse les Pandava qui s'exilèrent en forêt pour y trouver refuge. Pendant leur exil, qui dura 12 ans, l'un des frères Pandava, Arjuna, conquit la main de la princesse Pandyalé, encore nommée Draupadi ou Dholvedu. C'est ce mariage qui est célébré la veille de la marche sur le feu. À cette occasion, les familles des participants viennent offrir des plateaux de fruits et de gâteaux qui sont déposés devant les statues des divinités installées sur une balancelle. Tout au long de la nuit, certains épisodes du Mahabharata sont mis en scène par les pénitents. Ainsi apparaît Pandyalé, accompagné de son jumeau, Tityatei Vimen. L'onction de cendre sur le front représente le troisième œil de Shiva. Symbole de sagesse, il est censé porter bonheur. Le roi destinait la main de sa fille, la princesse Pandyalé, à celui qui abattrait d'un coup de flèche le poisson, resté curieusement emprisonné dans le feuillage d'un arbre. L'arbre en question avait poussé le jour de sa naissance et à l'annonce de son mariage, l'une des branches qui plongeait dans l'étang s'était soudainement élevée très haut dans le ciel, gardant prisonnier un poisson. L'aîné des Kaurava, Tjord Dilen, se présente en premier.
Son papa appelle Teltera Chiden. Ali, son maman appelle Kanda Ali. Il appelle Tiro Diren, premier garçon. Il vient de Mandro, qui s'appelle Seyral, le nom de Manevino. Il est le cousin Aljunin. A part Vedreni, il danse le mieux qu'il peut afin de séduire Pandialé. Pas à décrocher le poisson. Preuve de son échec, le jumeau de Pandialé le frappe à l'épaule avec son rotin. Son petit frère, Titior Dylan, tente l'épreuve à son tour, sans succès. Le troisième candidat, un enfant trouvé, en réalité le demi-frère d'Adjuna, mais qui a été élevé par les Kaurava, ne réussit pas davantage. Même maman avec Adjuna, mais seulement pas même papa. Il dit non, c'est rien, c'est papa. Mais seulement il ne connaît pas que c'est sa maman, il ne connaît pas que c'est sa papa. Parce que quand il est né, sa maman est encore une fille. Elle a parlé, elle a un petit mal en or, elle a fait mort sur sa rivière, dans la rivière. Cossé, il s'amène tel tel Hachiden promener, tel tel Hachiden, le roi, il ne voit pas clair. Tel tel Hachiden l'a entendu. Elle a dit comme ça, Cossé, il résonne dans la rivière. Il a dit un petit mal en or, mais elle a dit si un petit mal en or, le petit mal pour moi, c'est que les dents les beaux. Cossé, la massaille, soin, il a dit. Tout le monde y croit les enfants cossés, il voit les enfants le roi même, il croit à Benda même. Mais là, pour finir, là, il y a grandi à Kaz Cossé. Quand il était fini grand, tel de la Hachiden, comme il y a sorti tel de la Hachiden, il y a un mauvais passage. Et l'histoire de l'homme, il s'en va rencontrer les autres. Et il est fini rencontré depuis la semaine. Et là, ça va, il y a un mauvais passage. Ce frère ici, le tel de la Hachiden, là, pour aller à soigner. Mais là, quand il est fini grand, là, c'est un moment, il ne passe pas. Là, quand il est pas trop. Vous voulez, tu m'as marqué comme ça, ça va bien grand, on est déjà dans la religion, ça te pose un livre, on a l'expérience. Comment on se fait marrer, comment on marre, comment on est global, comment on fait le Zeph, tu sais, il est. Comment on se fait marrer dans la vie, on est petit. Puis j'en dis, il y a un bon point, il y a un bon dit, pour un carolon, d'aller un bon livre, passer, prendre un coup de bois. Mais si tu as des petits mots, tu peux y aller, pour chérir, quand j'ai une grande, tu peux comment des petits, tu fais un bon des points, il ne vient pas. Tu peux amener pour marrer, là, c'est moi qui m'arrive le poulon. Il y a pas trop point, il faut être un petit peu comprendre, va être tranquille si il y a un meilleur là où il vient de mettre l'ordre. Il faut donner la solution. Mais seulement après, il faut, au contraire, il faut corriger l'autre, il faut corriger, mais il faut amener les autres aussi parce qu'on a besoin des autres. Même si on remplace un autre domaine, si je veux pas maman, je suis petit. Si on a un peu maman ici, il faut garder comme bon Dieu aussi. Là, ça n'a pas les marades en fait. Là, on a dit. Là, ça n'a pas les marades en fait, il ne vient pas marcher. Il y a les métal, il fait une cadet, il garde comme. Seulement, il ne prend pas un grand verre pour faire comme le calice, pour faire comme le style, pour garçon de l'église. Oui. Les garçons, les nôtres, nous nous religions à nous. Mais la langue. On amène un groupe de monde corrige à l'église. La langue, elle est bien même. Parce que les garçons, nous religions, là, ça n'a pas l'image. J'ai marché, parce qu'il donne l'occasion pour apprendre. Nous pas comme les autres prêtres, si même le diable saint soir, nous pas comme les autres prêtres, ou arriver, ou faire un peu la prière, ou de. Ils montent à vous faire ici, faire là-bas, ça ne prenait pas. Et les autres prêtres, ils ne veulent pas tous. Ils nous disent encore à moi, ça y est. Tiens, il n'est pas sali à moi, c'était sale, sali à lui, mais pas sali. C'est un monde qui est sale, mes amis.
Il fait ma tête dans le club Zaval là, pas mon cœur. Ah, c'est un mousse comme ça, lui là, son marque, ça roule, il y a qu'un peu de l'eau, je crois pas. Ça, on l'a bien dit, mon cœur. Il fait ma tête dans le club Zaval, il a pas son cœur. Même si après ça, son cœur est propre. La conscience, il content. Un peu, peut-être même dit. Ah, moi. Carole, c'est un bon enfant, même ça. Sur moi, ça, Ali, il trahit pas son cœur. Ali, il a grandi. Il a grandi, il a cassé. Il a cassé 20 euros, il aime. Et à un moment donné, il fait vision, il ne tient pas mon frère, ça. Ouais. Et banana, toi, va vaser. Mais il dit, ce moment-là, manger, moi, la boire, ma porte, banana. Ouais, ouais. Que moi, je trahis, banana, quand je gagne le coup, comme il reste là-même. À peu près comme un tel, alors. Et dans le moment, mais là, c'est pareil, pour qu'il mange, il va à foutre de manita, pas au de chemin. Ah non, ça là, non, hein. Ça t'a donné, mais dit. Vient le tour d'Adjuna. Là, comme tout le roi, il ne réussit pas. Dans sa bérin, dans sa alverne, il réussit, il arrive. Mais qui sait, il réussit, c'est Adjuna même. Souvent, il prend la forme, il réussit. Parce que tout le cousin est en guerre avec lui. Quand même, on peut venir vous battre avec vous. Comment on fait? Vous voyez une place pour cacher, pour passer notre chemin. Il ne faut pas qu'il bataille avec vous, mais il n'y a plus d'autre chemin, il faut qu'il vienne dans le salvaire, tout est banal, il est même. Comment on l'a caché dans le camion là? Il faut le déguiser, il faut le déguiser Ali, pour qu'il ne comprenne pas que c'est Ali, mais Droba dit lui-même, il ne connaît pas ce salaire Ali, personne ne connaît pas. Il est comme moi, j'ai vu ça dans le format là, moi. Déguisé ici en vieillard, pour ne pas être reconnu de ses ennemis, les Kaurava. Dans le Mahabharata, il prend l'apparence d'un humble fakir. Arjuna, qui vise le poisson grâce à son reflet dans l'eau, l'abat d'une flèche. Ça aussi, il faut nous apprendre, même si nous n'apprenons pas trop la religion, il faut nous connaître. Parce qu'un jour, ça va dans le nom, il y a un grand prêtre. Le Monique, par exemple, un grand prêtre à côté de nous, on n'est pas loin de nous. Et par exemple, par hasard même, il fait mal d'un film, on s'appelle Bombay Chapelle. Il vient demander à moi pour Moudi en prêter. Moudi, Raja Moudi, il vient prendre Moudi. Il demande à moi, il demande pas moi Moudi, il y a un grand prêtre, il ne connaît pas rien. Il demande à moi un masque de l'VD, avec un masque Arjuna, un masque Tirodiran, un masque Vinayagar. Un masque, ils mettent le chef Yé Ban Mandri, Ban Nervi, Ban Tapia, avec des masques de l'Ancien. Paul avec mon camarade. Des masques de l'Ancien. Mais là, ça, c'est sur la tête de l'Ancien, c'est Moudi. Moudi veut dire sa peau. Oui. C'est Moudi Vinayagar, la fille de Vinayagar. Pon Moudi, c'est qu'ils mettent sur la tête là, c'est pour Pon Moudi, parce qu'il Moudi la reine, le Baraja Moudi, parce qu'il Moudi les hommes. Mais un grand prêtre, c'est Johnny, connaît tout bien avec sa moitié. Mais non, pas son nom, parce qu'il n'a pas mis pas ici. Il n'y aurait pas ici, Villel, mais il aurait près de nous. Mais il dit comme ça, il dit à moi, il demande à moi une masse. Il dit comme ça, il faut demander à moi. Il dit pas de rien. Même moi, je ne sais pas, il dit à moi, il faut demander à moi. C'est là, tu vois. Ah, tu tires le gratte, la pointe gratte, il y a un bois de mon gratte. Mais t'es prêt à lui, moi, mais je m'en dis, tiens, masse. Masse, il met le cochon. Il met le cochon. Après, peut-être lundi. Là, Pandiali dit comme ça,
Il croit pas si ça le garçon pour marier avec, avec lui, ça que son papa l'a fait c'est à mon sang. Il tape son mari, il est dans, dans la brise d'un tourbillon. Au sac son mari, tombe avec sa femme, il est marié. Quand deuxième coup, son mari, il a tout un nabat, il m'a dit qu'il n'y a pas de sap, il attend que le riche la même. Ce frère ici, il dit qu'il fait venir l'éléphant, il met ça là à tromper l'éléphant. Il a marié l'éléphant, il déplace tout le monde dans sa veste. Au sac, l'éléphant, il met son mari, avec sa femme, il est marié. L'éléphant, il se va, il danse pas, puis tourne pas, puis il va dans le nain. Votre mère, il a sap, il a tiré maintenant. Et c'est là qu'il a compris ça maintenant. Adjuna est donc désigné pour être le mari de Pandialé. Il va recevoir le collier de fleurs, le marlet. Dans l'épopée, l'éléphant pose le marlet autour du cou d'Adjuna. Or, la princesse, qui ne l'a pas reconnue, ne veut pas d'un vieillard pour époux. Elle lui retire le collier de fleurs, qu'elle lance en l'air, mais il retombe au cou d'Adjuna, que Pandialé finit par reconnaître. Partent ensemble. Avant d'allumer le feu sacré qui servira à enflammer le brasier demain à l'eau, les pénitents entament une longue prière. Une fois le feu embrasé à l'aide de morceaux de camphre, on l'alimente avec du beurre fondu, du miel, de l'huile et du lait. Thank you.
lieu est célébré par l'offrande de colliers de fleurs, symbole d'alliance qui concrétise le mariage. Chacune leur tour, trois fillettes présentent les marlets avant qu'ils soient passés au cou des statues figurant les divinités. Exécute maintenant Arjuna représente le chemin qu'il doit parcourir pour rencontrer Shiva au sommet de l'Himalaya. Décidé de s'adonner à une vie d'ascèse, Krishna va le mettre à l'épreuve en prenant l'apparence de trois jeunes femmes qui chercheront à le séduire. Morghini se présente d'abord. Une femme qui voudrait qu'il l'épouse. Ainsi que Yelekani. La déesse Kali, transformée en homme vêtu de rouge, intervient pour qu'il ne succombe pas à la luxure en allumant du camphre destiné à repousser les mauvaises influences. Enfin, le mari jaloux de Peledanti surgit pour se battre avec Arjuna. Dernier la sort. Peledanti pleure son mari qu'elle croit mort, tandis qu'Arjuna danse en signe de victoire. Finalement, le mari reprend ses esprits. Arjuna s'apprête à escalader le Tafsi, un mât de 5 mètres qui représente le plus haut sommet de l'Himalaya, sur lequel il se rend pour y rencontrer Shiva. Le personnage voilé, un sage, fait référence à la rencontre d'Arjuna avec des ermites qui lui conseillèrent de se rendre au mont Kailasa, où réside Shiva, afin qu'il lui accorde sa faveur. Avant la montée, on purifie le Tafsi avec les différents ingrédients habituels réservés à une puja. Thank you.
entonne le récit relatant l'escalade d'Adjona. Shiva va faire subir de nombreuses épreuves à Adjuna qui doit vaincre les éléments, le vent, le tonnerre, les eaux et le feu, mais aussi affronter Shiva en combat qui apparaît sous les traits d'un chasseur. Maintenu en laisse, incarne Yama, le dieu de la mort, qui dans le Mahabharata est transformé en sanglier. Les fauves rouges complètent le tableau de chasse. Adjuna, qui ignore l'identité du chasseur et du sanglier, capture le gibier et assène au chasseur un coup sur la tête. Les pétards représentent le tonnerre envoyé comme épreuve à Adjuna, tandis que les cartons enflammés rappellent la protection par le feu dont bénéficia Adjuna. Alors qu'à la demande de Shiva, le dieu de l'eau Varuna cherchait à l'inonder. Finalement, Adjuna surmonta les épreuves. Shiva, impressionné par la fougue avec laquelle Adjuna s'était battu, lui octroie la flèche magique et d'innombrables bienfaits, représentés ici par l'arc recouvert de fleurs. La scène suivante rapporte la victoire de Bhima sur un démon. Bhima ou Viman est le frère cadet d'Adjuna. Alors que Viman a pris l'apparence de Pandyale, le démon Kisegin l'aperçoit et veut la séduire. Le tue et recouvre son corps de feuilles de bananier. Porte la tête d'Alvan, fils d'Adjuna, qui s'est sacrifié pour que les Pandavas gagnent la guerre. Le sacrifice d'Alvan est le récit clé du Mahabharata, qui est mis en scène lors des 18 jours de la fête de Pandyale. À la demande de son père, il préleva sur son corps 32 morceaux qu'il offrit en sacrifice à la déesse Kali. Mais au deuxième jour de la guerre, alors qu'il vivait encore, Vishnu Vel le décapita.
les fidèles partent déposer la statue à l'endroit où se tiendra la marche sur le feu, pour rappeler la présence d'Alvan au moment où Pendialé traversa le brasier. Maintenant, les pénitents vont mettre en scène la mort des cinq généraux des Kaurava, Thior Dilen, Titia Dilen, Marmand Jagouni, Durmat Sadi et Carlmen. Le sacrifice du coq symbolise le sang qui coule à la guerre. Le fait que Pendialé monte sur le cadavre de Thior Dilen évoque la vengeance qu'elle a souvie à son encontre, lui qui avait autrefois cherché à la déshabiller. Elle se para de ses tripes comme d'un collier et enduit de son sang son abondante chevelure. Mais pour avoir agi sous le coup de la colère, elle ne se payera plus pendant 12 ans et elle ira vivre seule en forêt pour demander pardon à Shiva. Pendialé attache les mains des vaincus. Tous les fidèles vont maintenant se purifier à l'extérieur du temple. Sagare mumayamuvadinasamayi nirikshamalappa nasamayi vasamayi nirattavadimaikam nandiyakam rohamdeivamayi tevayam rohamdeivamayi teriyane uritte dinam.
Des bouquets de margosier, pignons d'Inde et manguiers qui vont être plantés à chaque angle de la fosse reçoivent des offrandes comme s'il s'agissait d'une divinité. Ils sont censés protéger les marcheurs contre les brûlures grâce au saclon, ce morceau de cuivre de signe gravé qui est enterré. Ensuite, à l'aide de la poudre de curcuma, on trace la syllabe Aum en sanskrit qui représente la trinité hindoue. Tous se retrouvent dans la chapelle de Pandialé pour le transport du feu sacré par le possédé rituel. Après avoir humidifié ses vêtements d'un mélange d'eau de mer et d'urine de bœuf, on protège le fond de son tablier de feuilles de lilas avant d'y déposer du riz, du camphre et les braises. Swami namaskaram, Swami Bhagavan. Jai 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 Rama, Appa Sirpette. Sirpette Vraginil Tirva Pariyongettinil Jai Mittu Yaminage. Sarkar Tunge Tipatiyam Tanajasaye Naguran Sagadevan Perpette Tiridharati Ame Yundan Sala Pavito to Tom Devi Panjariyo Sambudu and Devi Panjariyo Yaferu Vanevasam Sanduta Sandutam Panirandu Nerpatte Yagi Adam Arudu Sarave Gokuva Sandari Madirube Panjariye Nidaru Panjala Nanginiye De Nihiro Alors qu'il est sous l'emprise de Pandialé pour supporter l'épreuve, il part déverser les tisons sur le signe Aum.
participants érigent aussitôt les bûches selon un ordre qui rappelle le sacrifice du feu. Il est 7 heures du matin. Le feu va se consumer jusqu'au crépuscule. La cérémonie reprend vers 15 heures dans un lieu propice à la purification, soit en bord de mer, soit comme ici, près d'une fontaine. Les marcheurs renouvellent leurs vœux par le rite Amarkap, au cours duquel un fil tricolore, symbole de la Trinité divine, est attaché au poignet. Certains marcheurs ajoutent une mortification corporelle supplémentaire en s'implantant des aiguilles, comme c'est le cas de la langue, qu'on transperce d'un vel qui représente l'arme magique de Shiva. À l'aide de son tambour, le prêtre appelle Pandialé pour l'interroger sur le déroulement de la marche sur le feu qui va avoir lieu dès le retour des pénitents au temple. Le cri du possédé rituel prouve que la déesse vient de l'incorporer. Comme à l'habitude, elle s'exprime par sa bouche lorsqu'il est monté sur les sables. Tout en répondant positivement, le possédé tient la tresse et le rotin, les symboles de la divinité. Puis, il bénit l'assistance. Namu kiri ni anadu betul sahaja. Kodi tengah we perayaan balaparan pada tosse
Après une dernière onction au front, le cortège s'ébranle. À leur arrivée, les pénitents installent les divinités face au brasier. Ils font le tour du feu avant de marcher. Le rite commence par le sacrifice de trois boucs dont le sang doit purifier le contour du brasier.
Avant de s'élancer sur le tapis de braise, chaque pénitent est aspergé d'eau. Certains marcheurs ont fait la promesse de porter cet édifice de fleurs qu'on appelle Carlon.
Ravivée avant que les femmes fassent le tour du brasier en signe de mortification. Le tambourinaire profite du feu pour retendre la peau du tambour. Le prêtre tient le rotin de Pandialé face aux femmes qui s'allongent. À l'aide d'un bouquet de lilas, elles se recouvrent de cendres pour se purifier. Les femmes achèvent le tour du brasier en venant se recueillir devant Alvan. En dernière offrande, les participants déposent du camphre allumé autour du trou de feu. Un bouc est sacrifié à Alvan. Le prêtre prépare la victime et la fosse sacrificielle. Dans le sacrifice hindou, l'animal doit se montrer consentant. S'il se débat, signe de son désaccord, le sacrifiant recommence l'opération jusqu'à l'acceptation de la victime.
Terminés, les pénitents laissent éclater leur joie en dansant autour du brasier. Dernière minute, là, ici, bon Dieu, la mettre la main, le public n'a pas gardé qu'on a nous, là, jamais je ne t'oublie pas, et 11 juillet 93. Merci tout le monde, merci toute la société, et merci le public.